Da war ich nicht. Glaubst du an die Umstände? Da, aber jetzt mal neu, jetzt aber. Oh!
bombement métallique du métropolitain annonça son arrivée. Le long véhicule bleu s'immobilisa. Je me dirigeais alors vers une des portières, en soulevais le loqueteau et, en ouvrant dans la voiture, le wagon tête, je crois. L'espace qui m'accueillait était presque vide. Seul en face de la banquette, j'avais pris place une vieille dame un peu ridée, lisait en souriant son journal. On aurait dit un prêtre lisant son bréviaire. La dame avait l'air d'être gentille, assise qu'elle était du billet comme pour ne déranger personne. Installé sur ma banquette, j'avais l'impression qu'il m'arriverait quelque chose cette journée-là, quelque chose d'essentiel à ma vie. C'est alors que mes yeux, dans leur gélation la voir, tombèrent sur un jeune homme au magnétisme étrange et bouleversant. Je ne pus m'empêcher de fixer longuement du regard. Je ne pouvais décrocher mon regard du jeune homme. Il semblait qu'il avait été placé en face de moi de toute éternité. C'est alors qu'il m'adressa la parole et dit « Quite boring this metro. » Je ne sus quoi lui répondre et dit « Presque gêné d'avoir un regard débusqué, yes, quite. » Alors tout naturellement,